Hey, salut les confinés, ça va? Impeccable? Eh ouais, moi aussi ça va, tu vois, toujours au boulot. Allez, deuxième vague, et eh oui, deuxième confinement, je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit, vous êtes un paquet à vous être foutu de ma gueule, en temps et en heure, eh ben voilà, on y est. Allez, c'est pas grave, juste pour vous dire que on avait passé une saison, on ne peut plus. On ne peut plus fatigante, voilà. On ne peut plus compliqué avec ce Covid, avec ces gestes barrières, etc. Et après quelques petits soucis de santé de Patricia, elle a dû se faire opérer. Donc Patricia, elle va bien, elle est rentrée, elle est en convalescence, on va dire. Il faut qu'elle se repose et tout pour voilà. Voilà quoi, elle a été, en fait, elle a été opérée du sein gauche, voilà, comme beaucoup de femmes en ce moment, voilà. Et elle a eu de la chance, on va dire, parce que ça a été fait tout limite, voilà. Test du Covid, ça a été une des dernières à pouvoir le passer. Elle a été opérée, ça a été une des dernières à être opérée. Elle a dû re-rentrer à l'hôpital en urgence parce que ça s'est mal passé après. Mais bon, maintenant tout va bien, elle est à la maison, voilà, elle est en convalescence, elle est en train de se retaper, et ça ira de mieux en mieux. Donc voilà pourquoi je vous aviez pas eu de vidéo, et le moral n'y était pas forcément, j'avais pas le goût, donc je faisais pas de vidéo. Voilà. Juste pour vous dire que là on est au deuxième confinement. Voilà, vous le savez tous, donc c'est dommage, hein, parce qu'on est fin octobre. Début novembre, donc c'est dommage, il fait super bon, il y a des champignons dans les forêts, pour tous les copains qui sont chasseurs comme moi, donc forcément on est en pleine migration de tous les gibiers migrateurs, voilà, donc eh ben, c'est dommage, tant pis, on prend notre mal en patience. Voilà, juste pour vous dire que je vous souhaite bon courage à tous et patience, et en espérant qu'on arrive à tordre cette Covid-19, parce que voilà, hier, par exemple, hier, tu vois, 500 morts du Covid-19 en France, hein, seulement, je te parle que de la France. Donc voilà, quoi. Fallait s'y attendre, hein, fallait s'y attendre. Quand tu vois que depuis le 11 mai, il y a eu beaucoup d'abus à tous les niveaux, que personne n'a rien fait pour protéger autrui, chacun avait vécu un peu égoïstement, donc ben voilà où on en est, voilà. Moi j'ai pas attendu que l'État il me dise « Fifi, tu mets des barrières dans ton magasin, tu tiens une distance avec tes clients, tu désinfectes », non, je l'ai fait tout seul. Donc juste pour te dire que si chacun il avait mis un peu du sien, à l'heure d'aujourd'hui, on n'en serait pas là, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Juste vous faire voir que je vais bien. Que si je fais pas de vidéo, c'est que je n'ai pas le moral, que je n'ai pas le goût, que je n'ai pas l'envie. Donc si c'est pour faire des vidéos qui servent à rien, que c'est juste pour dire j'ai fait une vidéo, non, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon confinement à tous et je vous dis à bientôt. Ok? Allez, ciao. Ciao les confinés. J'arrive, hein? Eh ouais, j'arrive!